bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Potion Tycoon. On continue notre découverte de la 1.0. Ça se passe plutôt bien. Oula, j'ai cru voir un gros poisson là dans l'eau. Ah, on a une petite promotion pour lui. Il va pouvoir aller faire son marketing. On va augmenter de 10% la chance de bien lancer nos trucs. Comme ça, il va pouvoir aller lancer notre petite campagne de marketing. Et pour une fois, on va avoir une potion pour les gardes. Il cherche une potion de soin. Non, il achète les potions de soin, c'est ça. Mais il cherche du standard. Alors par contre, on a vraiment plus personne en vente, là. Il n'y a toujours pas de candidat. On a des managers. Les managers, ils font quoi? Ils octroient des points de magna. Et sinon, ils jardinent, ils font gros bras aussi. Augmente de 10% endurance de tous les employés, c'est pas mal. Hein. On va prendre celui-là. Pas assez de... Ah merde. Ah oui, il me faut des points de magna pour faire l'embauche. Bah c'est parti. J'espérais la terminer avant la nuit du coup, mais c'est vrai que vu qu'il s'est lancé... ça va être problématique là. Où est Chobiti? Vas-y, cours Chobiti. Je peux pas la fermer, hein. Non, je peux pas la fermer. C'est qui a mis un pouce vers le bas, là. Burk, je vois des impuretés dans la potion Boostos. Ah, ben ouais, ouais. Je vais vous faire une blague en mettant de la potion anti-squelette dans la bouffe du jardinier. Maintenant, il y a ses os qui fondent. Est-ce que c'est grave? Non. Ce sont des accidents, comme il en arrive tous les jours. Tiens, je peux plus voir. Ah oui, 6 fois 1. Ok, il a bientôt fini. Ah, Chobiti a gagné son petit niveau. On va le prendre. On va prendre ça, que ce qui consomme moins d'endurance. Chapeau de sorcier, c'est un peu en manque, hein, le chapeau de sorcier. Ok, on a 20 candidats. On n'a toujours pas de vendeur. Donc on va prendre elle. Voilà, elle va nous aider un peu. Ah, on a des lettres. Fortitude, une réussite modérée. Et Alastre, la potion de nécromancie a obtenu le statut forte demande. Réussite critique d'Alastre. Excellent. Excellent, Alastre. Maintenant, va vendre. Je veux qu'on puisse... Ah oui, ça booste pas mal la génération quand même, le manager. Je veux qu'on puisse rembourser un emprunt aujourd'hui. On marche bien notre petite roue de la fortune, hein. Roue de divination. Bon, par contre, ça, ça marche pas. On n'a pas assez de monde. Je préfère qu'il soit aux caisses enregistreuses à filer de la thune. Oh, il a pris sa potion, oui, excellent. Je préfère qu'il soit aux caisses enregistreuses plutôt que là, moi, au final. Hein. Pour le moment, en tout cas. Le garde. On va effacer le sourire de ces sales bandits. Mes gars sont toujours prêts pour un affrontement équitable. On aurait bien un lot de potions de force. On en a une d'avance. C'est parti. Hop. Merci pour votre soutien, ça va aider à protéger la ville. On va prendre des ingrédients pour une fois. Des graines de genévrier. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est une herbe, donc il nous faudrait une serre de plus. On va la poser là. Se permettre de claquer 50 balles, on va commencer à faire un peu de stock. Ah oui, il y a un gros poisson là. Un gros gros poisson. Alors ici, on met le genévrier. Par contre, pour le moment, on va viser 2 en stock, ce sera largement assez. Vu qu'on n'en fait rien. Toi, t'as l'impression que c'est le moment de faire une sieste à l'astre? Alors qu'il y a une file d'attente à la caisse enregistreuse? Non mais oh! Au fait, est-ce qu'il prend les niveaux en même temps qu'Ardarine, lui? On dirait. En stock, 21 en stock, 12 en stock. C'est quoi ton problème, toi? Tu préfères le volume aussi? Allez, à l'astre. Faut se bouger, là. Allez, hop, on court. Hop, 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 hop. La file d'attente, elle commence à être un peu grande, là. On obtient un objet mystère. Rend 16 points d'action au client qui s'arrête devant. D'accord. On essaiera de le mettre. Eux, ils ont enfin pu profiter du stand de vente. Bon, là on arrive à dépiler, mais on a une sacrée file d'attente là. L'heure du corbeau. Si vous comptiez vous lancer dans l'alchimie aujourd'hui, vous voyez une bonne nouvelle. Les champs magiques des plans dimensionnels sont particulièrement puissants. Ce phénomène renforce supposément les activités magiques telles que l'alchimie et la fabrication de potions. La tendance potion de protection. Alors que la nouvelle plonge la ville dans l'incertitude, une chose reste sûre, les potions de protection seront très vite demandées. Potion de protection et tendance. La puissance des nouvelles recettes augmente de 20%, l'humeur des employés s'est améliorée de 10%. Ok. Obiti, t'es où? C'est pas le meilleur moment pour porter des ingrédients, là. La journée n'est pas finie, on a besoin de toi. Alors, je vais regarder à tout hasard, est-ce qu'on sait faire des potions de protection? Non. On sait pas faire de potions de protection parce qu'on n'a pas le chat. Donc, on va pas se déboîter là-dessus, c'est pas grave. Allez, Chobiti, là, vends-nous quelques potions. Fais rêver tes clients. Ah, ils ont même pas eu le temps de partir de la journée, quoi. Eh, notre petit troisième en soin donne un petit boost, quand même. Ça se passe pas si mal. Par contre, on n'a quand même pas ce qu'il faut pour rembourser un emprunt, malheureusement. Il va s'arrêter là. On va s'en occuper avec Chobiti. Après, on ira vendre. Avec un peu de bol, lui, il va acheter quelques trucs. Il a acheté une grenados déjà. Ça, ça l'intéresse. Il aime bien le standard, il devrait la prendre. Non, il la veut pas. Si elle avait la propriété amertume. Oh, elle est relou.
Obiti, elle est où? Elle est en train d'embouteiller des trucs, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'admets, pourquoi pas? Mais on n'a pas assez pour rembourser un emprunt. On a quand même un bel emprunt. Au final, on n'a quasiment pas vu la nuit passer. Hein. C'est une méchante sorcière, ça? Ouais, c'est une méchante sorcière. J'aurais peut-être rangé les potions par les vitrines par groupe de potions. Alors mettre les provisions là-bas, puis mettre ici la sorcellerie. Ce serait peut-être plus pertinent. Qu'est-ce qui ne va pas, toi? Tu préfères les standards. Oui, t'as une piou-piou. Pas de soucis. C'est quoi ton problème, là? Ne vois pas la potion de vitalité que tu voulais. Bah j'en fais pas en même temps, donc... Désolé, mais j'en fais pas. Alors, je crois que je peux en faire, mais... Ouais, je peux en faire, mais j'en fais pas. Je n'en fais pas. Est-ce qu'on a assez? On a 16. Pour 16, on peut commencer à travailler là-dessus. On va essayer d'aller chercher peut-être de quoi améliorer la production pour se permettre de mettre des ingrédients un peu plus complexes. Genre à éviter ce genre de truc là, des impuretés dans la potion là. Thermo est éligible pour une promotion. Alors lui, c'est un gros bras de type gros bras. T'as dit qu'il fallait pas faire les promotions quand il tenait des trucs dans les mains. Il dit qu'il fallait pas faire les promotions quand il tenait des trucs dans les mains, c'est vrai. T'as dit que tout à l'heure ça avait disparu. C'est vrai que ce serait con que ça disparaisse. Voilà. Du coup, est-ce que je le passerai pas en vente, ce monsieur? C'est quoi son bonus? 5 endurance de tous les emplois dans la même pièce. Ouais, vente, ça pourrait être pas mal. Un petit novice en vente de plus. Alors j'ai pas pris de titre du coup, non. C'est que quand on le passe au niveau 2 qu'il a droit à un titre. Mais du coup ça va nous aider à dispatcher un peu parce que là... Chocho elle en peut plus. Ouais, Chocho elle en peut plus, exactement. Allez, on vend. Ah, 300 balles, excellent. Bah go, on rembourse un emprunt. Encore beaucoup d'emprunts. Maintenez vos rayons pendant 48 heures. Ah. Ça devrait le faire, hein. Deux rayons moyens proposant deux potions dans deux catégories différentes. On a du stock. Une potion de chaque, plus ce qu'on produit. On devrait pouvoir tenir 48 heures, je pense. Là. On a accompli l'alimentation. Alors du coup, on peut chercher la qualité de vie. À quoi pour ? Arbonjo, un instrument gobelin traditionnel. On pourrait aussi partir sur les mécanismes de livraison, l'encouragement du personnel. On va prendre ça. Pour l'instant, il nous manque des ingrédients. Mais on a du stock, donc c'est pas trop grave. Et la génération de points de magna est pas mal, là, en vrai. Hein. Avec la manager qu'on a recrutée, ça aide. Comme ça, lui, il peut faire l'affiche. Chubiti est vent. Thermo, il vend. Oh, il a des cornes, elle. Méchante sorcière. Oh, elle a acheté une invocation de signe. Elle n'est pas si méchante que ça.
contente. Ouais, elle a l'air contente. Elle est enthousiaste. Contre les gardes qui veulent leur potion de vitalité, je suis désolé pour eux, mais bon, voilà. Hein. Putain, il est minuit. Il y a encore des clients. Vache. Ah, c'est pas endormi, elle est là, chouchou. Ah non, la caisse d'or, par contre, ouais, ça c'est... Quand il y a personne, la caisse d'or, ouais. On pourrait presque rembourser un autre emprunt, c'est 700 le prochain. Allez, les deux, là, faites le tour et allez à la caisse. Ah non, j'ai pas de zoo. Bon, il a acheté deux potions, ça va. 3h du matin. Allez, hop. On va faire un petit point sur l'humeur de nos employés. Tartarique, quelle promotion. Pour le moment, ils sont globalement contents. Zikino est moyen content. Pourquoi? Ancienneté, l'heure du corbeau. Alors, l'heure du corbeau nous aide, c'est vrai, donc on va en profiter. Ardarine, il pourrait passer un niveau de plus. On va lui monter un peu le gros bras quand même. Alors, on va faire des petits trucs pour améliorer la vitesse de repos. Améliorer la qualité. La table. Bon. T'as réussi à trouver, à par hasard, une potion de richesse, sauf qu'il y a un oiseau qui est entré de là-bas et qui a déchiré toutes mes notes. Mais non, mais quand même, tu pourrais faire un peu attention aux affaires de la compagnie, Kirvac, s'il te plaît. Les carnets de notes, ils tombent pas du ciel. Hein. Tout de même. Est-ce qu'on réorganise un peu des trucs? Pour l'instant, ça va. On va mettre quelques... déco, c'est là. Mettre quelques lanternes dans cette pièce. Et dans cette pièce... Et là, en artefact, on avait l'objet mystère qui rend encore des points d'action au client. Et il rentre, il passe là, bah go, allons-y. Hop. Neptune ! Voilà, parfait, on investit. Encore des petits problèmes d'affluence éventuellement. Eux, ils cherchaient des potions de vitalité, ils en ont pas trouvé. Mais globalement, waouh, on a vendu 11 potions d'invocation de plus. Par contre, on a vendu 0 boostos. On vend pas de boostos. Les salaires, ils sont tombés, on est de nouveau pauvres. Alors, lui, il veut des potions de nécromancie ou des potions d'invocation. Bah, c'est dans nos cordes. Juste qu'on dise qu'on veut plus les mettre... Tac. Mettez-le en stock. Alors, il me disait quoi? Il y a pas mal de bleu, il faut réparer tout ça. Est-ce qu'on pourrait vous emprunter quelques potions? Ok, c'est n'importe quel type de potion. C'est pas toutes. Il ne veut pas deux caisses de chaque. Non. Patte de chat. Hop là, la patte de chat. Ok, le premier client est arrivé, la première cliente. J'ai pas l'impression qu'elle se vend beaucoup, ouais, tiens. On a moyen de savoir. Ah, ils diront rupture de stock, je comprends. Non, rupture de stock, c'est quand on en a pas dans les palettes. La traite 27% est quand même une forte demande, mais elle est impure. Je pense que le impur est vraiment problématique, en fait. On va peut-être la retravailler tout de suite, avant d'avoir du stock.
Alors le fait qu'elle soit toxique, ça donnait du bonus. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Pour enlever l'impureté, il faudrait faire ça. Et ça. Mais on gagne quand même 10% d'attrait. Hein. On perd un petit peu là, mais si c'est pour que les gens puissent l'acheter... Et du coup, on pourrait rajouter ça. Il faudrait la blanchir. Et là, on passe à une sacrée belle potion. Là. Il va nous falloir un objet pour blanchir. Allez, on prend. On peut faire du marketing informatif. Captivante. On peut demander un soutien à Sorbus. Allez, c'est parti, on fait un. Du coup, on va la mettre un peu plus cher. Le choix parfait. Allez, bim. On fait une grosse potion. Par contre, il va nous falloir de quoi blanchir. Donc pour blanchir, on va faire une salle de plus, pas vraiment le choix. Et il nous faut une bouilloire. Toi, on va te mettre ici. Non, putain. Eh ! Mass click ! Toi, on te met ici. Et on veut une bouilloire. Voilà. On va rester tranquille sur l'argent. Oh, gros poisson ! Ouais, il y a un gros poisson des fois. Alors, on a ce qu'il faut pour lui. On lui en donne une de chaque. Et on envoie. Alors, chanter les louanges de la potion. Oui, vas-y, chante les louanges parce qu'elle se vend pas. Donc, chante les louanges, mon gars. C'est ici, on va dire hop et hop. Ok, ça on avait déjà eu. C'est l'heure du corbeau. Là, on a une relation informelle avec les gardes. Parfait. Alors, je pense qu'après, il faut qu'on monte au niveau d'étoiles du dessus pour réussir à avoir les gens du plus. D'après l'odeur, les jardiniers disent qu'il devait y avoir une nouvelle race de champignons qui pousse entre les orteils de Chobiti. Aïe, aïe, aïe. Chobiti, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est ça d'aller dormir dans le fauteuil à champignons, hein. Alors du coup, est-ce qu'il l'achète? Oui, ça y est, il va commencer à se vendre, parfait. Presque dans le négatif, quoi. Ah ouais, bah l'argent, ça va, ça vient. Mais on peut même pas rembourser notre emprunt! Non, on peut pas rembourser notre emprunt. Bon, c'est le début de la journée, enfin il est midi. Lui, c'est, il voulait pas... Ok, regarde, le truc est éligible pour une promotion. Ah oui. Il manque un mot. Peut-être parce que c'était la copie d'Ardarin qui était éligible. C'est John. Pourquoi John ça? Oui. On va prendre une vision des arcanes pour lui aussi. Comme ça, on pourra vraiment faire des méga potions si on veut. Bah, encore une promotion. Boosto, ça a été une réussite épique! Excellent! Acclamé et tendance! Acclamé et tendance, et ouais. Carrément. Alors, on va générer des points de magna. Pas mal ça, 15% de coût de construction. Voilà, des points de magna, ça va nous permettre des recherches. D'accord, dans le... La fabrique est à court d'argent. Eh oui, la fabrique est à court d'argent, c'est terrible. Mais ça va venir, ça va venir. Là, on a plein de monde. Tous les clients s'en vont contents. Il y a encore une promotion? Slepa, c'est un jardinier, Slepa.
Oula. Ouf, putain, la pop-up qui arrive en même temps, là, j'ai cru que ça avait planté. Alors, elle vend du thym qui est impur. Du chat. De l'herbe à chat qui est impur aussi, ou de l'herbe à chat. Qui coûte plus cher, mais qui est exactement pareil. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Dans tous les cas, il y a un peu d'impureté, mais est-ce qu'on veut de la saveur ou est-ce qu'on veut de l'antitoxine? On a pas mal d'ingrédients de type toxique. Bon, après, on n'a pas les sous. Donc... Je prends le chat. Ouais, mais on n'a pas les sous. Tech. Alors du coup, on va promouvoir Slepa, on va mettre pause. Réduit de moitié le temps requis. Ok, plus d'humeur ou alors 50% de chance. Non, on va prendre l'humeur. Ça va compenser son ancienneté. Et du coup, on va faire un emprunt. Voilà. T'as couché les deux. J'ai couché les deux. Ça, c'est parti. Du coup, l'herbe à chat, c'est une herbe, j'imagine. Quand même vérifier. C'est une herbe. Donc il nous faut une serre. Tu mets pas toutes les serres dans la même pièce? Non, je mets pas toutes les serres dans la même pièce. Ça les fait bouger, ça les fait passer devant les trucs. Et en plus, il y en a un qui a un bonus où il monte le niveau de la pièce quand il rentre dans une pièce. Donc, autant que ça bouge. Et pour l'instant, on va en choisir deux, puisqu'on fait pas trop de trucs avec. Ça y est, la Boustos commence à être vendue. On sent la réussite épique. 500 balles si on arrive ça, c'est pas mal. On pourra rembourser notre emprunt. Ouais, on pourra rembourser notre emprunt. Faire une partie. L'emprunt qu'on a dû faire pour acheter de l'herbe à chat, quoi. Mais regarde, il est trop mignon, la serre. Elle a une petite tête de chat. On dirait que niveau truc de base, on est pas mal, mais maintenant, c'est vraiment... Le mariné, le séché. Le mariné et tout qui manque. Le bouillu et compagnie. Attention, c'est bientôt. Mais dans 26 heures. C'est des... Non, on n'a pas, on a plus ce qu'il faut là, donc si on n'arrive pas à le faire, alors attendez. On a de la boostos en cours. Il nous faut de la boostos. Non, c'est ici qu'on fait de la boostos. Ici. Elle est en cours. Ok. Qu'est-ce qui lui manque? La mandragore séchée. Qui est en train de sortir. Ça remonte? Ça diminue plus, t'es... Bah oui, ça diminue plus parce qu'il me manque un stock là. Ça remonte. Putain, ça remonte vite d'ailleurs. C'est salaud, hein. Allez, faut venir fabriquer là. Allez, 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 on court. On court, on court, on court. On fabrique la popo. Faut la fabriquer. Après, faut encore l'embouteiller. Pas simple. Non, ça monte tellement vite, les enfoirés. Ah, les sagouins. Ah, c'est vrai que maintenant elle a 4 trucs. Hein. Allez, il faut me l'embouteiller. Quelqu'un me l'embouteille, s'il vous plaît. Je sais pas si ça arrive à 48 si on perd l'objectif. Probablement pas tarder à le savoir parce que ça m'étonnerait qu'il ait fini. Et pour notre emprunt, on peut rembourser un peu. On peut rembourser un petit peu, ouais. On peut rembourser celui à 690. C'était peut-être pas malin si la journée est terminée. Non, la journée n'est pas terminée, c'est à 6h je crois qu'elle se termine.
Oui, bon. Alors, conserver le statut actuel de champ magique est bénéfique pour nos expériences arcaniques et j'ai créé exactement ce qu'il faut. J'ai simplement besoin d'une livraison de potions de n'importe quel type. 4 caisses. On prolonge l'heure du corbeau et on choisit une récompense. 4 caisses de n'importe quoi. Ouais, mais c'est du grade demandé 5 hein, qui veut. Hein. Ah oui. Dans un jour. On peut pas faire du grade 5, c'est pas possible. Pas avec ce qu'on a. On va devoir refuser. C'est moins pire de refuser que d'échouer. Bon, les jardinages font rien. Ok, on a produit la boostos. Ouais, voilà, le truc s'est réinitialisé du coup. Meilleure vente, boostos, anti-archi et fortitude. Et on est toujours premier. Hein. Assez loin devant. Ça va, on n'est pas tant dans le négatif avec les salaires qui sont tombés. Ça va. Disons que les 500 balles là auraient fait plaisir, quoi. Oui. Et quand on aura marchand, on aura quoi? Non, ça fait 500 balles et... Oui, suite au-dessus. Ah, marchand. 500 balles et 50 points de magna. Oui, il nous reste 20 potions à vendre, alors. C'est des caisses de potions qu'il faut vendre. Oui, mais c'est marqué 480, Oui, j'imagine. c'est vrai qu'on a sans doute pas vendu 40 caisses de potions, je t'accorde. Je t'accorde, je t'accorde. Qu'est-ce qu'ils foutent les... Mec d'opération là, on a deux normalement. Hein. On n'a pas un petit peu de niveau à faire et on pourrait mettre quelqu'un novice en opération. Non. Et dans les candidats, on a quoi? Ah, on a un mec en vente. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, Ça ça a changé. a lagué, ça a lagué. J'étais en pause pourtant. Ouais, mais j'ai Dommage. l'impression que ça commence à laguer ton jeu. Dommage, dommage. Louis gros bras. Tant pis. Tant pis pour la vente. On a combien de potions d'avance là? 11, c'est pas beaucoup, hein. Il y a quand même pas mal de clients dans le coin, ça peut partir vite. Madame, là, avec son chat dans le dos, c'est C'est une une personne. méchante sorcière. Elle a un chat dans le dos. Un chat dans le dos, ouais. On l'a vu au tout début de la partie, mais t'étais pas là. Peux pas toujours être là. Je peux pas toujours être là. Bah écoute, c'est pas ma faute. Oh, il y a un carnaval. Plus de clients que d'habitude. Waouh. Ah, du coup, ça va être compliqué. Enfin, si on écoule nos stocks, c'est tant mieux, mais. Là, on est en train de refaire du boostos. Ouais, il faudrait un petit novice en plus, en fait. Un novice en quoi? Bah, je sais pas. Bah. Pas recruter quelqu'un pour le plaisir. Allez, là, il nous faut le dernier ingrédient. Merde, il l'a mené dans la palette. Ah, la boostos à 4 ingrédients, c'est plus compliqué là. On va sauter là. Le marteau du capitaine. Qu'est-ce que ça fait? Meilleur le 15 endurance de chaque employé qui se repose ici. Poser. Là, on va vider les stocks là. Et on n'a pas ce qu'il faut. Il nous manque quoi comme ingrédient? A priori, rien parce qu'il n'y a pas de pop-up. Faut juste que quelqu'un l'amène et qu'elle travaille. Vas-y, travaille. On va vendre la dernière là. Ou dans les dernières. Ouais, ça y est, on a vendu la dernière. On est en flux un peu tendu. Excellent travail! Vous avez là une entreprise fort louable et le roi sera ravi de la prendre. Si vous continuez ainsi, Maison Prilcob pourrait bien devenir la nouvelle fabrique de potions royales. Je vous suggère la chose suivante pour faire forte impression. Passer du statut de marchand à celui de magnat.
n'avez qu'à continuer sur votre lancée, vous montrez plus habile que vos rivaux et arrivez en tête du classement. Et là, on devrait avoir un peu de souffle. Voilà, parfait. Alors, un grand rayon attirera davantage de bandits hors de leur planque. Quatre types différents de potions en simultané, ou alors... quatre types de potions de sorcellerie en simultané. Allez, machine, touille plus vite! Alors, on a pas mal de points. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous aider, là? On aurait les équipements de labo. Les mécanismes de livraison, ça peut être cool. Les mécanismes de livraison, ça peut être cool, mais il faut que les ingrédients soient disponibles. Ce qui serait pas mal, éventuellement, ça serait ça, en vrai. Les impuretés deviennent des stimulants, réduit la charge de travail des machines adjacentes qui utilisent de l'eau. Je pense qu'on va partir sur ça. Ce qu'il nous faut, c'est fabriquer les ingrédients. La galerie marchande, on est trop en flux tendu pour le moment. Ça prend trop de temps de faire les potions à 4 ingrédients encore pour l'instant. On peut pas se permettre. On peut peut-être passer à 3 ingrédients pour toutes nos potions, mais pas plus, je pense. Il y a combien l'emprunt là à rembourser? C'est 700 l'emprunt là, ouais. On a beaucoup de clients ce jour-là. Bah oui, c'est ce que je me dis. Ah, une petite promotion pour Kirvax. Alors, on va le monter niveau max, maître alchimiste. Expertise fongique, optimisation, pas mal. L'optimisation, c'est bien. C'est dommage, on peut mettre que deux personnes au final sur ce truc. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, ouais. Surtout que la truc est vide. Elle va bientôt plus l'être, mais... ah, elle l'est plus, parfait. Donc c'est quoi comme bouteille, là? De la fortitude, ok. On n'est pas trop mal sur ces trucs-là, donc soit on les vend pas, soit on a de l'avance. Bon après, la boosto, c'est la seule où on a besoin de 4, donc non seulement ça ralentit la production de celle-là, puisque quand la boosto se fait pas, bah celle-là se fait pas non plus. Et en plus, je crois qu'il faut qu'on blanchisse un truc, ouais. Allez, petit alchimiste, petit potionnier, fais des potions. On va peut-être bientôt pouvoir rembourser une... On va attendre la fin de la journée quand même. Ça a grandi depuis tout à l'heure. Bah ouais, un petit peu, ouais. Mine de rien. Le fouetteur a fouetté. Ouais, mais si on met le fouetteur, on rembourse plus les emprunts. Oh, c'est 25 sous. Allez, on va en mettre un là et un là. Ils peuvent encore passer là, dans cet escalier. Oui, ils peuvent passer, ça gêne pas. Comme ça. Quand ils sortiront du dortoir, bim, un petit coup de fouet, là. Et là, pareil, quand ils porteront les trucs, bim, un petit coup de fouet. Du lupin séché nous manque. Et le respect des employés, mais le respect des employés, on leur a mis un super fauteuil champignon. Faut zoomer quand il passe. Bon, tu veux le voir fouetter? Bim. En plus, il loupe la moitié des fois. Bah, ça booste, hein. T'as vu comment elle a accéléré, là? Elle a descendu un peu. Bah oui, puisqu'on a acheté des trucs. Ok, c'est la fortitude qu'on a bien vendue. La boostos qui se vend toujours très bien, même si, bon, on n'en avait pas assez. Félicitations, le trophée vous revient. Excellent, les anti-archers ont obtenu le tag classique.
21 de gain de notoriété, 15, et on a obtenu le trophée Expo des potions. Notre potion qu'a gagné. Oh. 25% endurance de tous les employés qui pénètrent dans la pièce. On va le mettre là, devant les clients. C'est pas un truc pour les productions et consommation des matières premières. Je crois que si. Et salut Verbe19, je crois que je t'ai pas dit bonjour, j'espère que ça va. Bye bye Carnaval, une ville en ébullition s'efforce de s'endormir après la fin des festivités. Mais quelle nuit incroyable ce fut! Les bandits remportent la confrontation. Ah, on dirait que nos potions n'ont pas suffi à faire gagner les gardes. Oups. Par contre, la potion anti-archi est en première page. Un nouveau classique du monde des potions. Je crois qu'il y a la même chose qui existe pour les clients. Ah, pour fouetter les clients, non, nous on a des petits trucs jolis pour les clients. Tac, tac, tac. Ça, c'est les revenus. On a le classement. On a les produits. Les objectifs. Les factions. Les clients aussi. On a quand même plus de volume, hein, en vrai. Ils chargent du volume, les gens. Et la production... C'est quoi ça? Ajouter un ingrédient. Ah oui, on peut direct pré-préparer des trucs, d'accord. J'ai pas l'impression qu'il y ait un truc aussi direct. Verbe 19. Mais on peut le plus ou moins le calculer, je pense, en épinglant les trucs et en comparant, quoi. Là, on a atteint le stockage cible. On voit ce qui nous manque. On voit les petites flèches là qui nous disent ce qui va pas ou... C'est pas aussi direct, mais on peut se débrouiller. Puis, bah écoute, Kirvax, il te faut un petit fouet, un petit gourdin, là. Et puis tu te mets à l'entrée de leur zone de travail, et bim, un petit gourdin quand ils passent. Et Rod John. Normalement, dans 20 minutes, on s'arrête pile pour le live de Gaelden. Là, il faut des opérations de nouveau. Alors, on va jeter un oeil à nos trucs. Là, on utilise 3 ingrédients. Là, on en utilise 4, c'est un peu short. Celle-là, on n'utilise toujours que 2. On va voir ce qu'on peut faire sur la Grenados, peut-être. On peut peut-être booster un peu la Grenados. Alors, si elle est toxique, ça donne du bonus. Si on mettait de la fausse orange blanchie, ça pourrait être intéressant. Alors après, si on arrive à trouver plus de squelettes ou plus de terre, ça la booste aussi, mais... Mais si on met ça et qu'on blanchit, on la booste un peu quand même. Ouais, on rajoute du toxique, ce qui fait que ça donne un bonus. Plus de puissance. Ouais, ça me va bien. Alors, on peut aussi améliorer un petit peu son truc, parce que du coup, là, sinon, ça tire vers le bas. Donc, on est sur de l'anti-squelette. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit bouchon comme ça. Anti-squelette, je crois qu'il y a un truc d'eau qui casse. Voilà, on va prendre l'eau qui casse. On est à 3. Alors, par contre, faut qu'on booste ça. On va faire un petit préparez-vous. C'est parti. Du coup, on va la vendre un peu plus cher. 40 d'attrait. Ouais, allez, on va la laisser à 45. Ça va nous coûter 10, mais c'est parti. En avant. Donc là, on n'a plus que des potions de 3, par contre.
Du coup, on va partir sur la machinerie auxiliaire pour améliorer nos processus. Donc, il va falloir là qu'on réorganise pas mal nos systèmes, mais. Donc, là, l'avantage, c'est qu'on relance la Grenados, mais on a de l'avance. Du coup, on va peut-être quand même réussir la galerie marchande, là. Ben merci beaucoup, Kirwa, je suis content qu'il t'ait plu. Il était déjà bien en Early Access, je m'étais vraiment pas mal éclaté dessus, et je le trouve toujours aussi bien, voire même meilleur maintenant. Les améliorations sont subtiles, mais néanmoins fort intéressantes. Et ça marche très très bien, je trouve. Hein. Il voulait quoi, lui? Potion de parole. Ouais, bah niveau potion de soins, on fait ce qu'on peut, hein. Non, j'ai pas fait de potion éclair bacha encore. J'ai pas de quoi investir pour agrandir la Chobiti. Je vais essayer d'optimiser les potions que j'ai déjà. Faire en sorte que ça aille plus vite à fabriquer et tout, mais. La potion de légende! Excellent. On va pouvoir bien la vendre, notre nouvelle potion. Il te faut, toi? La potion de vitalité. Bah non. De potion de vitalité, il n'y aura pas. Non, non, avant de vraiment relancer des nouvelles potions et investir, j'aimerais rembourser les emprunts. Il en reste Il nous reste deux emprunts encore. deux. On devrait pouvoir vous faire au moins un là. On va Avec les peut-être pouvoir revenus en du faire au moins centre. un, ouais. Là, on va peut-être réussir à ne pas tout vendre à temps. Ça va être tendu, mais. Ça va être tendu quand même. Faut que Chouchou elle arrête d'en faire la promotion, ça suffit là. Ouais, c'est un peu tendu. Ok, on a les machineries auxiliaires. On va attendre la nuit, je pense. Alors du coup, les machineries auxiliaires... Non, c'est pas ça. Ah oui, mais en plus si tu fais du... Ça fait... Alors, ça fait ça. Réduit la charge de travail des machines adjacentes qui utilisent de l'eau. Donc le saumurier, les bouilloires... Donc il faudrait que genre qu'on en mette un là par exemple. Voilà, du coup ces deux-là vont travailler plus efficacement. On a aussi le préchauffeur, il augmente. Le séchoir. Donc ça et ça, je crois. Alors non, ça c'est une marmite. Ça c'est une marmite, hein. Non, ça c'est une bouilloire. Donc si ça marche, ça pourrait améliorer ces deux-là, donc il faudrait qu'on les mette côte à côte, donc il faudrait qu'on fasse un peu de place là. On va déjà commencer par celui-là. Ça va réduire pas mal la modification de ça. T'as plein de points de magna, t'as une Et recherche. merci Gelden. À plouche. J'ai pas de recherche en cours, mais j'ai des gens qui travaillent. Il faut des gens pour faire la recherche. Bah oui, il faut des gens pour faire la recherche. Elle, elle voulait une potion de... Une apprentie sorcière, elle voulait une potion avec des fantômes. Allez, on embouteille là. Putain, c'est long. On va vendre les deux dernières, je sens. Il y a un sorcier là qui va peut-être en acheter. Ça, c'est une sorcière aussi. Il y a lui qui va certainement en acheter. Allez, on a du stock. On y va. Ah non, merde, c'est pas la bonne. Ah! C'est celle-là. Voilà, on a remis en stock. Ok, c'est bon. On n'a pas trop perdu. 28 heures. Ça va. Alors, on a quoi? On a déjà une invocation de signe en stock, donc on va redemander une boostos. Elle est un petit peu plus longue à faire. Mais si on a les ingrédients, ça va aller. Ah, un petit niveau pour Zikino. Alors, réduit de 2 la charge de travail des bouilloires ou des mortiers. Des bouilloires pour le moment. Bon après-midi, Chobiti.
Eh oui, c'est addictif, ouais. Ça, c'est clair. Il est 23h, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Voilà, nos deux vendeurs, ils sont ici, donc ils pourront pas faire travailler ça, malheureusement. Ici, en attente de matériaux, mais ça arrive, je pense. Yes. Alors, on va pouvoir se permettre de lancer traitement générique. Ça, c'est très très bien, ça. Celui-là, là, il est hyper utile. Il est hyper utile. Alors là, on va essayer de voir, mais normalement, voilà. Là, on a énormément réduit la charge de travail. J'avais pas vu qu'on avait maintenant des vraies stats. Au final, il a fonctionné 13% sur les dernières 24 heures, quoi. C'est quand même pas tant. Clairement pas tant, mais c'est pas non plus qu'il attend de matériaux, c'est juste qu'il était en attente, il avait rien à faire. Tu es bien riche. Ah oui, c'est vrai, du coup, la thune s'accumule, t'as raison. On va rembourser, du coup. Un petit emprunt de moins. On utilise la fausse orange dans 4 recettes. Dans 3 recettes, dans 4 recettes. Alors, qu'est-ce qui se passe? La boutique n'avait pas la potion d'apparition. Ah bah ouais, bah écoutez. Ah, on est deuxième. Les Veules. Ils sont passés leader en sorcellerie. Ah, ils commencent à se lancer sur des grosses potions, hein. Ouais, c'est ça, ils ont 3 potions. Maintenant, ils font 3 potions, donc du coup, même si elles ont des attraits tout pourraves, on est plus bon. Alors, on pourrait virer ce truc, en vrai. Comment je fais? Je fais ça. Hop. On le vend. Ça va nous libérer un peu. Et du coup, si on veut faire une autre potion de type magique. La potion d'apparition a l'air d'être recherchée en ce moment. Alors, elle a des bénéfices si elle est toxique ou toxique plus. Pour l'instant, elle est antidote, ce qui ne va pas. Et elle est impure. Plutôt pas mal impure. Pas tant. Elle est repoussante. Change rien. Donc il nous faudrait un peu de toxine. On pourra mettre une petite fausse orange là. Blanchie. Ou du lupin séché, tiens. On utilise déjà pas mal du lupin séché, hein. On l'utilise dans quasiment toutes nos potions, en fait. La fausse orange, on l'utilise dans pas mal, mais quand même moins. Sinon, on a la mandragore. On l'utilise un peu. Bon, après, on les utilise dans tout. De toute façon, le problème de la mandragore, c'est qu'on sera obligé de mettre l'os, donc ça marche pas. Il va falloir qu'on mette, je pense, de la fausse orange. Hein. Fausse orange blanchie. On pourrait faire des potions à 5 hein, si on voulait. Hein. Elle est impure. Hein. Si on enlève l'impure. On passe à 3, mais on a un attrait pas ouf non plus. Hein. Est-ce qu'on met un autre ingrédient? On met le lupin séché. On passe à 4-3 avec le lupin séché. Le problème, c'est que du coup, en termes de...
de bouteille, là. On n'est pas ouf. Alors, la potion d'apparition, qu'est-ce qu'on va mettre comme truc dessus? Tiens, ça, c'est pas mal. Un petit truc comme ça. On va la mettre comme ça, on va la faire bleue, celle-là. Repoussante, on s'en fout. Elle est neutre, on s'en fout. Elle est de type sorcellerie. Alors, une potion d'apparition. Je vous laisse me dire si vous avez envie de lui mettre un nom particulier. Elle est de type sorcellerie, donc il faudrait demander à la Dame de la Lune de nous aider éventuellement. Mauvais goût, limité. On va aller faire une petite campagne informative des familles. Tac, tac, tac. Potion d'apparition. Et salut Fairplay, bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne. Vune, je ne l'avais pas vu, c'est peut-être un peu long comme nom. C'est un peu long, qu'est-ce qu'on peut broder autour de ça? Vite vu, vite là. Vite vu, vite là. C'est magnifique. Faut qu'on améliore notre qualité de bouteille aussi. Allez, c'est parti. On envoie ça et on va la faire ici. Tac, 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 elle est là. Toi, t'es dans le Saumurien et toi, t'es dans le séchoir, ok. Et salut, Ange Atlantis, bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Et donc, du coup, alors, on va pas ouvrir de rayon tout de suite parce que sinon, ça va nous faire sauter ça, ça se trouve. Donc pour le moment, on va pas la mettre en rayon, on va se contenter de faire du stock. Ah, le petit coup de fouet qui booste, là. Ok, alors il n'y a plus personne qui travaille sur ces trucs-là. Donc je pense qu'on va pouvoir améliorer les choses ici. Ça, on va le mettre là. Est-ce qu'on peut mettre, du coup, un préchauffeur de four? Non, il va falloir bouger la serre en bas. Mettre la bouilloire là. On va remettre la serre ici. C'est parti. Voilà. Ça va nous permettre de bouiller, bouilloirer et s'échouiller plus vite. Ah, Choubiti qui veut pas décrocher. Du coup, elle est partie, elle m'envoie plein de textos. Bon, on n'a plus trop de points de magna, on n'a plus trop de sous, il va falloir tenir la journée. Si jamais on arrive à tenir encore quelques heures comme ça, on sera pas mal. C'est la boostos qui est où on n'a pas de stock, mais on en a 23 dans la vitrine en même temps, donc ça va le faire. Ça va le faire. Alors, ils sont un peu paumés au début quand on change les trucs, logique. Hein. On a bien des trucs partout. De l'herbe à chat, on en a deux. On pourrait aussi refaire une autre palette. Hein. Ça ferait certainement pas de mal. On a un infuseur. Ah, on a terminé le... On pourrait faire une cuve de fermentation, du coup. Ça, c'est intéressant. Merde, j'ai pas du tout la thune. On va pas faire de cuve de fermentation. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour la...
hors production. Toi, t'es hors production, toi. Je l'ai jamais lancé, la production de la nécromancie, merde. Oh, le con. Ah bah, ouais, du coup, oui, c'est pour ça qu'on avait un problème. Du coup, on en a un petit peu trop. Bah, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, du coup, il faut de la falacée et j'en fabrique pas. Mince, mince. Et ben, on va devoir réemprunter. Il nous faut un petit bac de culture supplémentaire. Est-ce que du coup je lance la cuve de fermentation? C'est un peu grand malheureusement. Il faudrait qu'on bouge ça là et qu'on la mette ici. Elle est dérangée par ça, on va la bouger. Allez. C'est parti. J'ai complètement oublié de lancer la nécromancie. Du coup on n'aura pas la place de la vendre. Il va falloir qu'on agrandisse un peu nos pièces à un moment. Alors ici, on fait de la falacée. Et ici, on fait déjà du lupin. Ok, c'est parti. Et donc là, il faudrait qu'on regarde nos recettes. Alors, toi. Là, il n'y a pas d'impureté. Là, il y a de l'impureté. On pourrait enlever ça. Alors non, on le machine comme ça, voilà. Et on le fermente. Parfait, on passe à 5-6. Ça, c'est bon, ça. Allez. Fonds insuffisant. Bah, du coup, pas de marketing. Hop. On va mettre à jour celle-ci, déjà. Là, du coup, on élimine le besoin de fermenter, enfin de travailler sur des trucs. Il va falloir qu'on le mette dans la cuve de fermentation. On va faire des orteils de monstres fermentés, parce que pourquoi pas. Ah, on a un courrier. Ouh, épique l'anti-archi. Magnifique. Ça plaît, ça plaît. J'aime ça. Palacé qui fait des petits tentacules. Ouais, il va nous falloir de la palette. Hein. Peut-être un autre escalier serait pas mal, hein, quelque part par là, là. Genre, on décale tout ça et on fait des escaliers là aussi. Allez, il faut pousser. On fait un petit peu de mandragore et de... Deux chapeaux de sorcier, là, c'est parfait. Bon, et on va devoir arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long pour la VOD. Si vous voulez revoir la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois mon petit coup. N'oubliez pas que si le jeu vous intéresse, il est à 40% chez notre partenaire. Donc vous aidez la chaîne et en plus vous bénéficiez de 40%. Je rappelle que ce n'est pas un marché gris pour ceux qui ne le connaissent pas GamesPlanet, hein, c'est un revendeur officiel. C'est juste qu'il négocie directement avec les éditeurs plutôt qu'avec Steam. J'espère du coup que cet épisode vous a plu et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.